Selon nous, l'existentialisme a échoué dans le but qu'il se proposait de constituer un humanisme. Au lieu d'apporter, comme tout humanisme, le pain et le vin à la race humaine, il est devenu l'ectisterne. Il ne nourrit plus des mortels, mais des simulacres de divinité. Mais il y a pis. Au lieu d'aider l'homme à vivre authentiquement, en délimitant l'honneur et les bornes de sa condition, il erre, en ce qu'il concerne, du pôle du demi-dieu idolâtre à celui de la déjection. L'attirance par le bas, qui est la loi de pesanteur de toute doctrine philosophique et qui donna des porcs comme disciple à l'ascète Épicure, s'est traduite par le fait que la postérité intellectuelle de Sartre a choisi beaucoup plus volontiers la déjection que le demi-dieu comme portrait de son désir d'être. Peut-être consacrait-elle par là le tempérament personnel de l'auteur de L'être et le néant. En tout cas, rien ne saurait le faire croire davantage que le dernier de ses travaux, la préface qu'il a consacrée à l'œuvre de Jean Genet. Cette longue présentation est assez représentative de l'atmosphère morale de l'existentialisme pour qu'on puisse rêver sur le contraste qu'elle offre avec celle d'un livre comme Le Deuxième Sexe. Fidèle à un long passé littéraire qui l'a fait exceller dans la dissection du sordide et du nauséeux, et reculer toujours devant le moment d'apporter quelque chose de constructif après une si longue critique, si l'on peut appeler ainsi la description d'un univers que l'on vomit moins qu'il ne vous délecte, Sartre achève de justifier la réputation de ce que Mauriac devait appeler, dans un article d'ailleurs odieux, l'excrémentialisme. Genet, nous prévient en effet le préfacier, est un excrément, et c'est comme tel qu'il se revendique. La définition est fort juste. Toute la morale de Genet est précisément de dominer sa situation en la voulant. Entendez, de se choisir pouilleux, lâche, dégénéré, souffrant, méprisé, afin de surmonter l'obligation par le défi. Cette sorte de perversion du christianisme, renversement des valeurs à base d'un élan comparable à une résignation active, a été comparé, par aberration, à certaines lignes de force du deuxième sexe. N'y a-t-il pas, s'est-on demandé, un parallélisme frappant entre se dévoyer, qui, avalant par inadvertance un asticot, se trouva pris entre s'évanouir d'écœurement ou dominer sa situation en la voulant, il obligea sa langue, son palais, à éprouver savamment, patiemment le contact hideux, dit Jean Genet dans Pompe funèbre, et telle jeune fille dont le deuxième sexe relate le comportement à l'âge ingrat, s'imposant la même sorte de mortification pour dominer ce que son destin féminin doit lui infliger bientôt de sordide et de répugnant. Il faut une bonne dose de mauvaise foi, ou de sottise, pour prendre ces deux exemples comme relevant de la même philosophie, et nous ne pensons pas que personne n'y aurait pris garde si Simone de Beauvoir n'était pas considérée comme l'alter ego de Sartre. Autant faire de La Fontaine un précurseur de Nietzsche quand il écrit « La raison du plus fort est toujours la meilleure », alors qu'au contraire, les anarchistes revendiquent cette formule. Est-il utile de préciser qu'il s'agit, chez Simone de Beauvoir, de la description clinique d'un phénomène et chez Jean Genet, de la complaisante relation d'une attitude morale qu'il admire. Cette attitude morale s'appelle d'ailleurs clairement « masochisme » et Simone de Beauvoir s'insurge à chaque occasion contre la théorie de certains psychanalystes comme Ellen Deutsch qui voit dans le masochisme un fondement essentiel de la sensualité féminine. Tout le deuxième sexe est un appel ardent vers une ère nouvelle où la femme pourra assumer sa sexualité sans conflit intime se traduisant par les extravagances de l'adolescence. Toute l'œuvre de Genet est une invocation pour l'apparition d'un monde concentrationnaire où les victimes surmonteront, dans sa conception, leur condition de victime en l'acceptant, voire en la provoquant. Genet, approuvé par Sartre, est aux antipodes de la révolte. Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, c'est la révolte qui s'organise en révolution. Voici en quoi cet essai marque une rupture avec l'existentialisme et même avec les œuvres passées du même auteur, si l'on accepte les bouches inutiles. Pyrrhus et Cinéas, par exemple, c'était l'aquabon désenchanté auquel aboutit en fin de compte la morale faussement stoïque de l'existentialisme. Nous ne voyons pas une œuvre de Sartre en tête de quoi pourrait s'inscrire la parole de Gorky, « Homme, cela sonne fièrement », mais elle pourrait servir d'épigraphe au deuxième sexe, étant bien entendu, du reste l'essayiste le proclame, que le mot « homme » désigne l'être humain sans distinction de sexe.
Il n'y a rien d'inutile et de stupidement stérile, d'après tout cet ouvrage, à exercer une profession, un art, une activité, voire à vivre profondément une religion quelconque. Tandis que Sartre proclame « Les hommes sont condamnés au désespoir, car ils découvrent que toutes les activités humaines sont équivalentes, ainsi revient-il au même de s'enivrer solitairement ou de conduire les peuples. » Simone de Beauvoir exalte au contraire l'action par quoi s'incarne la transcendance, se plaint de l'avoir monopolisée par l'homme et la revendique ardemment pour le sexe féminin. Pour la femme telle qu'elle la présente, il ne revient pas du tout au même de récurer ses casseroles ou de militer, d'écrire, de créer. Peut-être le deuxième sexe n'est-il pas positivement une hérésie, mais plutôt une dissidence morale au sein de l'existentialisme, comme le jansénisme l'était au sein du christianisme. Il ne met pas directement en cause la doctrine établie, mais l'infirme par son interprétation plus que libérale et porte atteinte au dogme même par une telle déviation. Cette lecture était extraite du livre « Le complexe de Diane » de Françoise d'Aubonne, paru en 1951 aux éditions René Julliard.